Salut, c'est quoi de neuf? J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. En pleine promotion de son dernier ouvrage, l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg multiplie les interventions médiatiques et a fait une apparition dans l'émission L'heure des pros sur l'antenne de CNews. Dans son dernier livre, l'homme politique critique avec vigueur le président de la République, des critiques qui choquent les observateurs comme Karl Muse, le rédacteur en chef du service politique de Figaro Magazine, récemment interrogé dans l'info des vrais sur CNews et le traite de fou. On a cité Julien Doré, mais la comparaison la plus forte, c'est quand même avec Frégolis. Il dit, en psychiatrie, le Frégolis c'est un syndrome délirant de dissociation schizophrénique. C'est une maladie grave. Donc il explique que le président de la République est malade, s'étonne le journaliste. Dans une publication de Figaro Magazine, le journaliste Karl Meuse revient sur l'offensive médiatique exercée par Arnaud Montebourg et rappelle que la démarche ne laisse pas indifférente les membres du gouvernement. Arnaud Montebourg, elle ressemble de plus en plus à Marine Le Pen. Aurait estimé un ministre de Jean Castex. Au prix de notre confrère, ces chiffres sont faux. Ses arguments sont faux. Elle dit n'importe quoi. Une comparaison violente de Rick Histoire dressée contre Emmanuel Macron. Dans son dernier livre, l'ancien ministre a fait Emmanuel Macron sa principale cible, qu'elle n'hésite pas à comparer à un chanteur de variété. Le contenu ne compte pas car le personnage de l'interprète prend le dessus, écrit-il. Louis Kelly est estimé depuis par celui qui était alors secrétaire général adjoint de l'Élysée. Pendant son écrit, des années François Hollande, Arnaud Montebourg tente d'une autre façon de défendre bec et ongles ses opinions sur des questions économiques liées à la politique publique. À l'heure de l'épidémie de Covid-19, comme le début d'un programme économique progressiste pour la France. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.